L'industrie touristique est une véritable industrie, est une véritable filière d'avenir et participe pleinement et doit participer pleinement au redressement de notre pays, puisqu'il y a de nombreux emplois non pourvus dans le tourisme, puisque vous avez parlé effectivement des difficultés de certaines entreprises, mais parallèlement à ces difficultés, nous avons aussi 50 000 emplois qui ne sont pas pourvus, et il faut y répondre. Dans le cadre du plan de tourisme que j'avais présenté en juillet, il y a sur ces aspects, notamment sur la deuxième priorité, la volonté de mieux former, de mieux accompagner les professionnels, de valoriser ces métiers-là auprès des jeunes pour rendre et continuer à donner de l'image de la France une image attractive. Je suis ravie d'avoir vu cette diversité, cette richesse dans les territoires qui étaient présents, mais aussi par rapport à la qualité des professionnels qui sont présents, qui s'engagent pour redresser à nos côtés les économies des pays. Et je crois que ça mérite d'être souligné dans un moment de crise internationale tel que celui que nous connaissons, avoir des professionnels engagés aux côtés des collectivités territoriales qui sont présentes, puisque je n'oublie pas les dom-toms pour la France qui sont là. Finalement, nous participons tous au redressement économique de notre pays, et c'est aussi ce message-là que le gouvernement français tenait à porter aujourd'hui.